si tu parles anglais. Ouais. Si tu fais l'accent anglais, c'est raciste. Si genre là, je fais yeah, cup of tea. Si tu parles chinois avec un accent chinois, assume, c'est bon. Parler malade, espagnol avec un accent espagnol, ça s'appelle juste parler bien espagnol. Ouais, si je fais Guten Tag, c'est pas raciste. Ah non, par contre, si tu fais. Bon. Ah, on va faire de l'emploi de lobby, tu vois, là, ça devient raciste, tu vois. Là, Twitch a dit, les Italiens, on a le droit. Ma que, tu as le droit de faire l'italien. Je te jure, c'est vrai. Bah, tu te souviens, JDG, il s'est pris genre 2 semaines de ban, il a dû remplir un questionnaire. Et dans le questionnaire, c'était écrit un truc du genre, si je fais un accent nanana, est-ce que c'est ok, un truc comme ça et tout. Il a mis, non, c'est pas ok, et c'était oui la réponse, en mode, c'est ok pour les Italiens. Et la justification, c'était parce que c'est pas une communauté opprimée ou un truc bon, comme ça. Attends, tu vois. En vrai, sur 10, vous vous considérez raciste? 9. Quoi? Le mec. On peut parler 2 secondes de la chaîne YouTube de Bardella, non, vu qu'on est parti dans des débats un peu extrêmes. Non, moi j'ai une théorie. Il a lancé un mix sur BO2, il s'est fait hurler dessus par des Doki, des Ventura, etc. Et c'est comme ça qu'il est devenu raciste. Il s'est fait hurler dessus par des Doki, des RBX, tous les petits rebeux qui hurlaient en LAN là. Il a dit 2017, on va voir qui t'y back qui. C'est ce qu'il a dit. Allez, le produit 100% sur F124, il va bien se passer, je suis sûr. Oui, bien sûr. Ça se fait pas. Mais non! Mais comment t'as plus de jump? C'est quoi cette avance que t'as eu? Frérot, t'as jump le départ chez nous, hein. T'es un tricheur, toi, t'as sauté le départ. Je suis parti à l'extinction des feux. T'as vraiment jump 8. Une seconde plus tôt, quoi, donc Bon, en attendant, je suis P3. Le chat, regardez, je vais être un génie de stratégie. Ça le faisait pas avant, ça. Oh putain, y'a mon coéquipier qui change son aileron. Oh, y'a mon coéquipier aussi. Un génie de stratégie. Qu'est-ce qui se passe, local, là? Oh, mais putain, mais son micro est tellement à fond, ça a fait un Larsen, frère. Quoi? Oh, parle pas. Non, bah si, parle, parce que s'il y a un silence, ça fait un bug micro. Ah, ta gueule. Tu me fais les oreilles. Je suis déjà en inter. Oh, mais j'ai déjà des acouphènes, putain. Enfin, puis je glisse, fais attention. Allez, bon courage, fiston. Tu sais que je boxe là, donc ne tourne pas tout de suite. Hein. Reste comme ça, bouge pas. Passe à gauche. Oh putain, let's go. Oh la chasse. Let's go. Oh là là. Quoi? Je m'en fous, ça me fait box quand même, hein. Ouais, mais bon, tu vas devoir rebox quand toi après, c'est Ticard. Pourquoi j'ai pris un drive-thru? Quelqu'un peut m'expliquer? Deux options, c'est soit t'es arrivé beaucoup trop vite à l'estime, mais c'est pas normal. Non, je suis. Soit tu m'as doublé sous ces Ticards. Oh non. C'est un bug, je pense. Oh non, mais pourquoi c'est que moi qui teste les bugs là? Les gars, je bosse pas chez JVC, hein, je suis pas vidéo-testeur, hein. Sur le 23, quand c'est on bon, était là, dans le rouge, on pouvait rentrer au stand quoi qu'il arrive. Plus maintenant. Putain, le 23 était vraiment mieux. Oh oui, ah oui, la roulette. Ah, Julien, je te déteste, pourquoi tu fais ça? C'est pas moi. C'est toi qui fais les paramètres, pourquoi putain. Oh non, je suis P12, P13, mais pourquoi? Ah là là. Ça, P16. C'est la meilleure fonctionnalité, ça. T'as oublié de mettre un safety car, y'a du monde, mais par contre, enfin, y'a du monde pour mettre de la pluie, mais pour oublier de mettre. Mais ferme ta gueule, tu bégayes. La phrase, elle était longue, on dirait le transfert d'Mbappé. Et imagine ton bot là, il DNF. Maintenant, genre, juste il se met sur le côté en mode. Imagine t'as un drive. C'est marrant ça. Condition météo. Devant, écartez-vous, je dois faire ta drive through. Mais ta gueule, il parle l'ingé. Par contre, apparemment, dans 10 minutes, la pluie se calme. Je suis mignon avec mes vêtements. Ah bah, on se marre bien en tout cas, au fond. Une belle séance d'essai libre. Vivement la prochaine safety car. En fait, j'ai remarqué que les 100%, c'est un peu comme Squid Game. T'as des manches, t'as des vagues. Et faut juste survivre à chaque vague. Du coup, t'es genre le grand-père. Parce que tu joues et tu connais en plus les règles. Bah, le créateur, c'est le grand-père de base. Donc ah, ton micro a augmenté, c'est un plaisir. Mais on t'aime comme t'es, chacal. Hein. Oublie jamais ça. Hein. Ta gueule! C'est quoi comme montre? Une Apple Watch? Mais c'est nul que ça, ta course. Putain, j'ai failli glisser pour le mur. Oui, si j'ai rien. Oh. Non! Oh là là, le timing. Mais j'ai quel genre de pas de timing? Après, je te conseille pas de rentrer au stand pendant que la safety apparaît, hein. Petit conseil. Les estime refait box pour remettre des wedges sous safety car, attention. Oh frérot, tout le monde a pris un drive-thru autour de moi, j'ai freiné comme jamais pour pas rentrer dans les stands avec le Delta vous rouge. Vous avez tous box? Quand tu rentres dans l'entrée des stands, le Delta devient rouge en fait justement. Donc là, il y a 3 personnes qui ont pris un drive-thru, moi je me suis arrêté. Qu'est-ce carrément. Que c'est dommage que Jérém est au stand, Jérém sort des stands. Encore, mais c'est son Jérém va dans l'herbe. À chaque fois que Jérém boxe, il y a une safety car. C'est un truc de fou, hein. Une safety car, troisième fois que Jérém boxe. Et Jérém, il est parti dans l'herbe en sortant, hein. Bizarre, Jérém. Jérém.
Jérém. Curieux quand même le move là, non, si je peux me permettre. Jérém. Parce que Jérém exploiterait déjà les bugs d'un jeu déjà buggé qui est sorti il y a 3 jours. Mais le chat, je lisais le chat. Qu'est-ce que t'as fait? T'as cassé ton aileron? Non, j'ai pris un DT pour le Delta. Oh là là. Non, c'est pas de votre faute, c'est juste, voilà, je m'inquiète pour vous, j'ai un peu envie de lire un peu là. Wouah, compliqué là, la phrase à dire. Alors par contre, attention au niveau de la température du moteur, parce que je suis pas sûr que 165 degrés ce soit un bon moteur. Je crois que c'est un record quand je fais ça. Ok, c'est quoi le maximum tu penses? Si tu passes, ça doit être 180, non 170, je sais pas. Je suis à 176. Je peux te dire, le moteur il est bien rouge. Pitié, avec ce moteur on savait pas. Ok, je suis à 180, est-ce que c'est le max? 181. On pense, le moteur est très chaud, on pense que c'est dû à l'air sale. Non, Jeff, t'as pas vu ce que je suis en train de faire au moteur là. Les 200 degrés, c'est fait! Le moteur va fondre là. Non, mais ça va, l'IA elle va faire redescendre la tempête du moteur. C'est bon, c'est le blue flag, c'est le blue flag. C'est le blue flag, c'est pas moi. Regarde, j'ai pas d'aileron, donc si on se bat comme ça, ça peut être dangereux. Ouais, bah te rapproche pas autant de moi là. Je vais freiner plus tard que toi. Hein. Oh le mur des champions. Oh, j'ai failli le manger, hein. Il avait l'air bon. Non, j'ai le fond plat jaune. Je te déteste. T'es d'accord, tu m'as tourné dessus, mais c'est un malade. Ah ouais? Hydrofautif 100%, hydro est arrivé à Mach 12. Comment ça, je suis arrivé à Mach 12? Les menteurs. Ah, t'as bloqué. Bah ouais, mais je bloque dans tous les virages, j'ai plus d'aileron. Mais ça, est-ce que c'est mon problème? Merci. Là, ça spin. Putain! Et c'est Aspin. Là, le jeu de mots, les gars, c'était par rapport au mot Aspin. Voilà, je le dis au cas où, pour ceux qui n'ont pas compris. Moi, je boxe parce que là, en fait, la distance qui reste, c'est pile poil le stint en medium 9. Il pleut pendant 10 minutes. Ah ouais? Non, mais je te l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas écouté. Ah ouais, non, j'ai pas écouté. Ah, mince. Jeff! Non mais dans tous les cas, avec mon fond plat cassé, je voulais augmenter mon aileron avant pour compenser. Oh non, il y a la loterie. Oh, Jérém là-bas, ce qui va être disqualifié. Jérém out. Let's go. Allez le chat tous ensemble. Na 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 na. Jérém. Oh, j'ai plein. Quoi? Non. Non, c'est bon, c'est Jérém. Parce que sinon, Hydro, chananan. Oh, c'est plus Jérém. C'est plus Jérém. Jérém a glitch. Ah, il est repassé, mais il y a une bataille, il y a une bagarre. Je me souviens que les gens se faisaient DSQ. Là, non. Là. Oh non. Je ne veux pas être premier avant les 3 derniers tours. Je ne doublerai pas le premier. English en Spanish, Chagan. Je suis arrêté sur la piste. Regarde comment aucun veut être premier du coup maintenant depuis la DSQ de Jérém. Regarde comment ils ont peur devant là. Vous roulez avec la peur! C'est vrai que tout le monde recharge. Regarde! Après, il a été déçu, Jérém, il était en tête, c'était foutu, t'as pas le droit. T'as pas le droit. Putain, j'aurais pas le nerf, il se chie. Oh, Bigood, non mais Bigood. Mais arrêtez de me péter mon fond plat! C'est le fond plat à votre daronne ou pas? Genre, c'est quoi ça? Oh, j'en ai marre, mon fond plat il est orange maintenant! C'est la peinture de Bigood, c'est pour ça. Bon, allez, Bigood, il a l'air. Ouais, voilà. Oh, Bigood, vas-y, m'a pété. Y a pas de raison que je sois le seul avec le fond plat pété. Hein. Ah là là, le carbone, il a volé. Oh, frérot, il m'a pété mon aileron, il m'a pété mon fond plat. Sale gros con que t'es, va. Espèce de gros con que t'es. De toute façon, je change mon aileron, je m'en fous. Mais c'est trop. J'avais peur, j'ai trop peur moi. J'ai freiné avec la peur. Oh, red flag! Non. Oui! Il va plus pleuvoir, on va pouvoir savoir la météo. Let's go! Allez, let's go. Je suis en train de voir. J'ai calé. C'est pas toi qui te manquais de mes staffs hier? Mais j'étais en train de boire en fait en même temps donc. Hamilton Rosberg. Ils ont réparé mon aileron, on est d'accord. Hamilton Rosberg. Ouais, je Bigood, il sort d'où? Je peux rien faire. Non, non, non. Oh, c'est maintenant le drame. Oh, comment ça? Oh là. Allez, force à honneur les enfants. Ok, c'est bon, on a pris la position. On y va petit à petit. Allez, Pierre Jabata avec Bigood. Allez. Oh, comment on est collés les trois là. Attends, y'a X-Move qui réplique. Je vous l'envoie en catapulte ou pas? Si tu veux. Ah oui, j'ai bien compris. Putain, mais vous êtes du tout, il y en a combien derrière? Ah. Oh, drapeau
50-50, mais sachez que mon fond plat va bientôt passer au rouge. Je l'ai jamais vu autant se faire niquer. Je l'ai jamais vu aussi orange. J'ai plus rien. Donc m'en voulez pas si vous me voyez cut un peu. Bof, le 50-50. Ah, je suis devant, je suis à l'exté. C'est un enfer. Mais non, ah, c'est fun. Ah, c'est un enfer à conduire. Disons que c'est challengeant, quoi. Oui, c'est un enfer, oui. Ton micro aussi. En toi, ici la voix. Ici la voix. En vrai, de fou, de fou. Gurgin pense avoir découvert le secret d'Ido. Si vous faisiez Secret Story, vous auriez quoi comme secret? J'ai chié dans le jacuzzi au GP de France. Comment ça t'as chié dans le jacuzzi? C'est lui de mon premier degré. Ce serait mon secret à Secret Story, quoi. Genre, le premier degré. Comment ça? Non, mais. Parce que j'ai drainé. Secret, j'ai jamais fini à 100%. pardon, j'ai rigolé un peu trop fort, le karma va m'attraper. Ah ouais, les pneus arrière, ça devient compliqué là. On a failli faire la fin du best-of. Les deux streamers en même temps, ça aurait été cocasse. Hein. Ouais, j'avoue qu'on est 9 mais avec 2 bots, donc techniquement on est plus que 7. Pas mal pour un premier 100% sur la F24. Allez, viens Pierre, je t'offre une place. Bah je vais attendre, hein, je pense, parce que là je vois le mood. Oui, regarde. Ah ouais. Alors, ta place. Ah ouais, pas mal. Tu vois, par contre, prends pas la même. Bah bizarre le mood. Mec, tu m'offres un truc, moi je... Ah, je t'ai offert une place, pas deux. Là, on est 3 en moins d'une seconde depuis 15 tours. Ouais, belle finale e-sport. Allez, fais ça. Wesh. Ah, mais c'est mute. Non. Mais c'est mute, ah, non, non, ça va pas. Quand même. C'est le dernier tour, hein. Pitié, mettez-vous dehors. Quand j'ai un petit drift là. je suis à gauche, Bigoud. Je suis à gauche, Bigoud. Moi, j'ai ma meilleure vie là. Ça se joue vraiment entre les trois streamers là. Mon fond plat est rouge. Pose-le, au pire, t'en as pas besoin. Je crois qu'on a eu un final de 100% aussi stérile de ma vie. Ah. Et bah écoute, pas si mal ce jeu en vrai. Non, j'ai tenté de le full attaque. Dernier virage, je me suis dit vas-y go le tenter. Vas-y, je prends cette P3. Ah putain. Sur mon best-of, je voudrais que on mette l'état du fond plat avant que je me rapproche de Bigoud. Et l'état du fond plat après être rapproché de Bigoud. Tu veux que je t'avoue un truc? Pendant la bataille, j'hésitais et j'étais en mode est-ce que je gagne ou pas, parce que j'ai pas envie de me faire ban. Quelle merde, en fait pas, les joueurs. J'en reviens à chaque fois, frère. Et bah, bonne soirée, messieurs, merci beaucoup d'avoir été présents. La bise, ciao ciao. Oh la vache, oh, c'était marrant à faire. On n'a jamais fait une bataille dans le dernier tour comme ça, ça faisait longtemps, c'était trop cool, j'ai trop kiffé.